Chers amis, je vous souhaite la bienvenue à ce moment de réflexion autour de la leçon de l'école du sabbat. Merci à vous d'être là et que la paix du Seigneur repose sur chacun d'entre vous et que ce moment soit un moment de paix, de bonheur et de joie. Bienvenue donc à vous. Notre sujet du jour, Dieu est celui qui juge. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, merci de ta présence parmi nous et merci de pouvoir nous conduire par ton Esprit Saint. Et fais que ce moment soit un moment de joie, de partage, de bonheur pour nous. Merci de nous éclairer par ton Esprit Saint. Et merci de faire que ce moment soit un moment de joie et de révélation pour chacun. Je te remercie au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je vous invite donc pour commencer notre réflexion à lire le psaume 75, à partir du verset 1er. Au chef des chantres, ne détruis pas. Psaume d'Azaph, cantique. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, nous publions tes merveilles. Au temps que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermi mes colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob et j'abattrai toutes les forces du méchant. Les forces du juste seront élevées. Alléluia. Maintenant, une question nous est posée. Pourquoi les méchants se vantent-ils en vain? Je t'invite à te laisser accompagner par l'Esprit du Seigneur dans ta réflexion. En tant que roi souverain, l'Éternel est aussi celui qui donne la loi et qui juge. Le psaume 99, verset 7. Il leur parla dans la colonne de nuée et ils ont respecté ses commandements et la loi qu'il leur a donnée. Maintenant, psaume 98, verset 9. Oui, il vient pour juger la terre et jugera le monde avec justice sans faire de différence entre les peuples. Le psaume 97, verset 2. Pour gouverner, il s'appuie sur la justice et le respect des lois. Mes amis, les méchants menacent constamment l'ordre de justice que Dieu a établi dans le monde. Mais l'Éternel jugera le monde et mettra fin à la domination du mal. Le psaume 75, 8 à 10 dit ceci. Le Seigneur tient une coupe dans ses mains, elle est pleine de vin forte et fermenté. Il en offre à tous les gens mauvais du pays. Tous doivent en boire et vider la coupe jusqu'à la dernière goutte. Verset 10, je vais détruire l'orgueil des gens mauvais, mais la fierté de ceux qui m'obéissent grandira. Le psaume 96, verset 13 également déclare, car il vient, oui, il vient pour juger la terre, et jugera le monde avec justice, et jugera les peuples selon la vérité. Donc dans le psaume 75, plusieurs images décrivent la destruction irrévocable des méchants. L'image d'une coupe contenant du vin traduit l'intensité de la fureur de Dieu. Nous retrouvons cette idée autre part dans la Bible. Jérémie 25, verset 15. Voici ce que le Seigneur, Dieu d'Israël, m'a dit. Prends de ma main cette coupe pour le vin qui est rempli de ma colère. Donne-la à boire à tous les peuples vers lesquels je t'envoie. Maintenant, Apocalypse 14, verset 10. Il boira lui aussi du vin de la fureur de la colère de Dieu. Ce vin sera fort et Dieu le versera dans la coupe de sa colère. Ces gens-là souffriront durement dans le feu et dans la poussière brûlante, devant les anges saints et devant l'agneau. Le fait de couper la force des méchants représente la fin de leur pouvoir et de leur domination, tandis que la force des justes sera élevée. Dieu choisit un temps fixé pour son jugement. Ce jugement exécutif aura clairement lieu à la fin des temps. Lisons 1 Corinthiens 15, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Tous les êtres humains meurent parce qu'ils sont unis à Adam. De même, tous vont recevoir la vie parce qu'ils sont unis au Christ. Verset 23 dit, mais chacun en son rang. Le Christ le premier s'est déjà réveillé de la mort. Ensuite, ceux qui sont au Christ se réveilleront quand il viendra. Puis à la fin, le Christ détruira toutes les forces mauvaises qui ont puissance et autorité sur nous.
Alors il remettra son pouvoir de roi à Dieu le Père. Verset 25. À ce moment-là, Dieu mettra tous ses ennemis sous les pieds du Christ. En attendant, il faut que le Christ ait tout pouvoir. Et verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc l'Éternel sonde le cœur des hommes dans le cadre de son jugement. Lisons Psaume 14, verset 2. Du haut du ciel, le Seigneur se penche vers les habitants de la terre. Il les regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui cherche Dieu? Cela rappelle le passage, bien sûr, de Genèse 6, 5 et 8, qui déclare, lisons, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Les deux textes montrent que l'exécution du jugement de Dieu sur le monde est précédée de l'examen de la vie des hommes et la recherche de ce qu'il peut sauver. Ce jugement est parfois appelé jugement d'avant la deuxième venue de Christ, lorsque Dieu défend les justes et décide du sort des méchants. Comment cela va-t-il se passer? Tout d'abord, Dieu délivre son peuple de la main des méchants. Le psaume 47, verset 10, psaume 146, verset 9. Ensuite, il couronne les hommes de son salut. Le psaume 149, verset 4. Deuxièmement, les méchants impénitents sont détruits à jamais. Psaume 97, verset 3. Donc, certains psaumes décrivent poétiquement l'inutilité des armes humaines face à ce jugement. Le psaume 76, 3 à 6. L'Éternel est aussi un Dieu qui pardonne, bien qu'il punisse les méfaits des hommes. Psaume 99, verset 8. Le peuple de Dieu, et non pas seulement les méchants, rendra compte à Dieu. Psaume 50, verset 4. Psaume 135, verset 14. Les psaumes véhiculent la même notion que celle exprimée dans d'autres textes bibliques, à savoir que le jugement de Dieu commence par le peuple de Dieu et s'étend à toute la terre. Deutéronome 32, 36, 1 Pierre 4, verset 17. Le psalmiste crie à Dieu de le juger, tout en s'appuyant sur la justice de Dieu lui-même pour le défendre. Psaume 7, 8 à 11, Psaume 139, 23, 24. Donc, les psaumes nous appellent à nous réjouir en prévision des jugements de Dieu. Le psaume 67, verset 4. Psaume 96, 10 à 13. Psaume 98, 4 à 9. Maintenant, une question. En quoi le jugement de Dieu est-il une bonne nouvelle pour ceux qui sont couverts par le sang de Christ? Alors que tu réfléchis à cette très belle question, je demande à ce que l'Esprit du Seigneur t'accompagne. La partie maintenant application. Aujourd'hui, je t'invite à réfléchir. À savoir, qu'est-ce que cela te fait de savoir que Dieu est souverain, il est juge, il est créateur, il est aussi miséricordieux. Je t'invite à réfléchir donc personnellement à cette question. En conclusion, le psalmiste crie à Dieu de le juger, tout en s'appuyant sur la justice de Dieu lui-même pour le défendre. Les psaumes donc nous appellent à nous réjouir dans l'anticipation des jugements de Dieu. Alléluia. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, merci pour ce moment de partage. Merci de nous assister, de donner la force, le courage, l'intelligence, la sagesse et surtout un esprit de compréhension pour toujours apprendre à savoir qui tu es, comment tu fonctionnes, comment tu penses faire les choses et que la foi en toi puisse nous aider à te faire confiance et à te laisser faire fonctionner les choses comme bon te semble. Mais l'essentiel, à te faire confiance et à compter sur toi. Merci de nous bénir et que ton esprit continue son œuvre en nous. Je te prie en Jésus pour ta gloire. Amen.